Salut les stations fréquences, les bons sur 13, quant à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du canal 27. Oui, les bandes se sont 13h51 du soir. Voilà, c'est, je viens juste d'arriver à la station, de prendre le micro. Les 73 à toi, Belphégor, comment vas-tu? Ok, merci. Toi, là, moi, ça fait pas longtemps que là, je suis rentré du pro. Le temps de vite fait préparer les affaires pour demain matin, de passer au gastro solide, et puis vite sauter devant la station, et puis voilà, ça y est. Ok, c'est un message reçu. Allez, je laisse la place, retournez. Ok, merci. En avant les autres stations, là, ça doit arriver tout doucement. Oui, les 73 de la station, c'était très QRP de mon côté. Il m'a semblé reconnaître le timbre de voix de la tour de contrôle. Si c'est toi, Michel, t'es pas tourné du bon côté. Apparemment non. Tiens bien au cas où le gars voudrait revenir. Hop là, désolé, on s'est surmodulé, les bandes se sont 13 à toi. Oui, il y avait quelqu'un au loin qui appelait en même temps, t'avais bien deviné, mais ce n'était point moi. Bonsoir Rémi, des amis à toi, ceux qui t'entourent, et puis bien sûr à tous les autres qui écoutent. Allez, bien retour à toi. Ok, les bonnes sont 13h51 à toi, Michel, en espérant que tu ailles bien. La station qui a breaké derrière, là, que j'ai entendu très QRP de mon côté, c'était vraiment complètement noyé dans le peu de QRM qu'il y a, mais beaucoup de propag de mon côté. Je sens que dès qu'il y aura un petit peu plus de monde, on va vite faire QSY sur le 27-270 en Lima Sierra Bravo. Mais on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde avant de basculer. Vas-y Michel. Et rebonjour mon ami Thierry, parce que nous on s'est déjà copié, mon petit, toi tu étais parti te promener, parce que toi, ton travail, qu'est-ce que c'est se promener, c'est ce qu'on me disait quand j'étais facteur. Et il se plaît, il se promène tous les jours, alors je pense que toi c'est pareil. Allez, hein, c'est pas méchant. Allez, retour à toi Thierry. Ok, Michel, pas de soucis. Non, je ne suis pas parti me promener. Enfin, je ne sais pas si c'est de moi que tu parles. Non, je suis le Bol d'Or, moi, je suis le Bol d'Or. C'est pour ça que je voulais voir les résultats. C'est pour ça que je suis parti tout à l'heure, voilà, avec l'ami Pascal. Voilà, il y a un nouveau qui va venir. C'est Rémi, voilà. À chaque fois, j'ai dit Rémi, voilà. Il y a un nouveau qui doit venir. Oh, je crois savoir qui c'est qui est derrière. Ok, d'abord les 73-51, toi Thierry, merci pour le travail que tu fais là pour nous tous, là pour ce QSO. Claudie,
Voilà. Claudie, 14ODR 00016. Claudie, 14ODR 016. Est-ce que c'est toi qui lance appel au loin depuis ton point haut? Ouais, ce soir il doit faire un test justement là depuis un point haut avec une autre station qui est à 250 km au nord je crois enfin de chez lui et en même temps être dans le QSO là ici. Alors il doit faire une installation mobile avec trois batteries d'embarquer à bord. Et bon bah de toute façon si on l'entend bah, on le fera rentrer et puis voilà. C'est pour ça que je me demandais si c'était pas lui quoi. Thierry, tu n'entendrais pas toi des fois car moi j'ai cette foutue colline qui me fait écran. Hein. Non, j'entendais personne. Si c'est Claudie, là non, désolé, je sais pas s'il entend lui, mais moi Claudie, je t'entends pas. J'ai rien entendu. Michel peut-être, mais enfin, je sais pas. Moi je l'entends pas de mon côté. C'est pas Claudie qui a parlé là. Si tu peux me donner ton QTH, s'il te plaît. Ouais, ben, je comprends pas, mais il peut me donner mon QTH, oui, mais je sais pas qui parle. Je crois que c'est Belphégor. Affirmatif. Ah, Belphégor, ouais, 113 Belphégor. 113 Cyril, tu peux me donner ton QTH, s'il te plaît. Oui, je te l'ai dit, Libourne. Ok, et pour Claudie, lui c'est sur le nord Charente. Hein. Donc normalement il devrait se mettre sur un point haut. Tiens donc, je suis en train de passer en direct sur le satellite, quoi. Hachi. Hop là, il y a eu la surmodule. Oui, retour Belphégor. Merci beaucoup pour tes vidéos. J'ai suivi tes vidéos de vacances, super sympa. Et notamment la rencontre avec Claudie Nobili. Voilà, j'ai trouvé la vidéo super sympa. Voilà, je te remercie. Ok, merci. Ouais, il y a eu plusieurs QSO. Il y a eu 14. Oh, je sais plus. Oh! Bon bref, j'ai eu en fréquence ouais, plusieurs OM, plus ouais, visite surprise chez Claudie. De toute façon, Claudie, je pouvais pas faire autrement. le prévenir avant pour débarquer chez lui, oh, ça n'a plus le même effet, quoi. Que là, ça a été, t'aurais vu la tête qu'il a fait en nous voyant, waouh. Omar, il fait le coup, là, quand il vient chez nous, donc c'était un prêté pour un rendu, à chier trois coups. Non, mais c'est vrai qu'il est super cuéro, hein, Claudie, hein. Belphégor, tu as les bonnes 73 de la tour de contrôle. C'est très gentil, c'est Michel, je crois, hein, mais 73 de retournée. Par contre, les conditions de trafic sont très très délicates. Le signal est bon, mais les radios ne sont pas très très bonnes. C'est pas évident en ce moment. Hein. Changement de météo, et puis même, c'est pas l'extase au niveau propagation. Voilà, retour à la tour de contrôle, si tu veux, retour.
recevoir, je reçois bien. Il n'y a pas de signal, mais le superbe radio de 5, c'est de mon côté, pas de problème. Mais je pense que c'est pas réciproque. Allez, retour à toi, Rémi. Oui, tout à l'heure, je disais, je m'étais tourné carrément vers le nord. Et j'appelais ton ami là-bas dans le nord de la Charente, mais j'ai pas eu de retour. Ok, par contre, niveau fréquence, là, je reviens de suite, là, je regarde un truc. Hein. Bon, pour moi, ça serait kiff kiff bourricot ou à quelques détails près entre le 27-275 et le 27-270 sur Lima Sierra Bravo. Je sais pas, Michel, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? On fait QSY ou on reste là? Il y a quelqu'un qui lance appel? Ouais, mais pas assez épais pour qu'on puisse le prendre. Non, qui est RSM, il t'a dit. C'est ta modulation de fréquence au loin. Ah oui, zut, ok. Bon, d'accord, ok. On va faire QSY, alors, pour être plus tranquille, sur le 27-270, oui, Belphégor, en Lima, Sierra Bravo. 27-270, en Lima, Sierra Bravo. De toute façon, les autres OM connaissent, et s'ils ne nous entendent pas ici, ils basculeront directement. Ok, c'est parti pour moi, on sera plus tranquille. Ok, voilà, rendu. Alors, qu'est-ce que ça donne de mon côté? Ah ben, ça va mieux. Ouais, j'ai quelques... T'es, c'est bizarre, ce soir, je passe dans le dans la parabole, quoi. Ouais, ça passe bien, Rémi. C'est très bien du côté du 47, ici, là. Ok, Belphégor, tu peux me faire un petit report juste au niveau du signal, voilà, voir un petit peu, là, ce que ça donne. Car, contrairement à d'habitude, ce soir, j'arrive même à passer dans Canal 7. Alors, si je peux baisser, je vais sauter sur l'occasion. Écoute, ici, radio signal 7, radio est un peu écrasée, mais signal 7, très bien. Bon, c'est audible, après, c'est pas l'extase, hein, mais ça passe bien. Hein. J'ai remarqué que c'était beaucoup mieux à Lima, Sierra Bravo. C'est beaucoup mieux comme ça, hein. Enfin, voilà. Je fais un petit retour sur toi, Rémi, puis tu fais passer à... Ok, ouais, bah, c'est parce que je dois parler trop fort. Ça, à chaque fois, c'est le problème que j'ai. Dès que je suis au micro, je gueule dans le micro. Alors forcément, ça, ben voilà, ça écrase. Bon, j'ai baissé d'un cran. Donc là, ça sera, ça devrait, ah ben non. Et je fais sauter le Canal 7 ce soir. Putain la vache. Oui, retour Thierry pour sur demande de Belphégor. Ok, Belphégor, apparemment tu n'entends toujours pas Michel, même ici quoi. Je pense que c'est pas Michel.
signal, quoi. Voilà, voilà, mais t'as remarqué, si tu vois, si t'as été sur ma chaîne YouTube, tu vois les vidéos que j'ai fait avec le drone, tu vois que l'antenne est vraiment enfoncée dans les bois, quoi. Donc c'est pas évident. Si j'entends un petit peu, mais c'est vraiment... il faudrait que je mette le casque, tu vois. Mais j'ai pas l'habitude de moduler avec un casque. Voilà, retour, Rémi. Ouais, ok, d'accord. Apparemment de son côté là c'est. Bah oui, t'as entendu Michel. Ouais, mais tu peux lui dire, Rémi, que moi de mon côté, on dirait qu'il est à côté de moi. Avec Michel, il passe très bien. Ok, Belphégor. Michel te fait dire que t'es assis à côté de lui, dans la même pièce, à tel point qu'il t'entend bien. Ok, Michel te fait dire que tu passes super bien de son côté, comme si tu étais à côté de lui. Non, Rémi, je vais passer QSY, je vais passer QRX là, parce que je repère à tous là. Je repère à tous, il y a la propage qui perd là. Donc je vais rester stand-by là. La même toi, Rémi, je te perds un petit peu, et pourtant je suis avec la verticale. Donc tu vois, c'est pas l'extase ce soir. Retour Rémi. Ok, j'ai monté un bloc là quelques instants. Ok, ben c'est vrai que là, ok, il n'y a pas de problème, Belphégor. Si tu as trop de QRM, trop de propag de ton côté, bon, les bonnes sont 13 à toi. Merci de t'avoir eu parmi nous dans le QSO. Et puis on verra bien tout à l'heure. Hein. Si ça s'arrange, eh bien, il n'y a pas de souci. Hein, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Ok, merci, les bonnes sont 13, retour Thierry. Ok, Belphégor, bonne soirée à toi, les bonnes sont 13, voilà, et à la prochaine, bye bye. Bye bye Thierry. Bonne soirée Michel, ça t'apprête. La bonne soirée, mais moi je l'attendais toujours aussi bien. Michel te retourne la bonne soirée et il te dit qu'il t'entend toujours aussi bien. Non mais apparemment il doit être dans un nid à QRM là, de son côté. Hein. Bon, vu comment ça se passe là de mon côté là au niveau de la télé, j'ai QRX quelques instants, le temps de faire quelques modifs là au niveau puissance. Alors tu vois, il y a une île Maurice tout à l'heure après. Ah
ok, ben oui. Non, mais je suis pas resté à la radio, là, parce que la grille, je suis parti regarder les courses de moto, mais j'avais baissé le son de la radio, alors j'écoutais pas, je regardais les courses de moto, ben oui, hein. Vive Maurice, ouais, ben oui, hein. Voilà, ça. La propague peut-être va arriver, voilà, la propague d'hiver arrive plus tôt, voilà, tant mieux, si ça passe, un peu, ce sera impeccable. Et apparemment, pour eux, ça a l'air de remonter un peu. Bon, Pascal, allez-vous enfoncer le fromage et puis le dessert. Vous boirez un coup après, c'est pas grave, Pascal, vous êtes là. J'ai été, Michel, appelé sur l'autre. J'ai été appelé pour voir s'il était là. Non, mais il n'a pas répondu. Tant que Rémi parlait, là, j'ai été l'appeler. Et je n'ai pas entendu. Il devrait pas tarder à arriver. Si ça passe, en fait, toi, tu devrais mieux l'entendre que moi. Ok. Ok, voilà, Michel, là tu m'entends toujours, là, ok. Bon, de mon côté, c'est bon. J'ai tout enlevé, je suis juste avec la puissance du poste. Ah bon, c'est impeccable, même tout à l'heure, c'est vrai qu'il te disait que ça écrasait un peu, bon, c'est terrible, mais c'est vrai que chez moi, ça écrasait un peu. Mais bon, je dis rien, parce que comme il était loin, là-bas, sur le 47, c'était normal que tu mettes un peu de poivre. Mais si Eric arrive, tu vas peut-être obligé de faire pareil. Bon, j'espère que pour son système, ça ne s'est pas aggravé, puisque ça m'étonne qu'il ne soit pas là. Malgré qu'il avait un autre problème familial du côté de son papa. Hein. Non, je reprends, mais ça a écrasé la radio. Bon, moi, j'en ai trouvé, pourtant on n'est pas loin. Enfin, moi, j'en ai trouvé. Les portugaises ensemble, c'est pas pareil. Ah, si, trois coups. Non, mais disons que j'avais un autre problème. Bizarrement, ce soir, je passais dans la télé via le satellite. Alors ça, c'est bien une première. Jusqu'à maintenant, jamais je suis passé dans Canal 7. Et ce soir, je trouvais le moyen de foutre un petit peu la télé en rideau. Alors que la station, j'ai fait aucune modification aujourd'hui, puisque de toute façon, j'étais pas là, j'étais au pro. Moi. T'arrives à passer dans Canal 7 Oui, pourtant, c'est du numérique, t'arrives à passer dedans. Ben oui, moi aussi, hein, c'est. J'ai les Grecs justement là qui me faisaient signe, hein, j'ai regardé, j'ai parlé en même temps. Et je passais dedans, enfin je m'entendais pas dedans, mais ça me foutait l'antenne, la télé en l'air, quoi. Ça me faisait des zébras partout sur la télé, j'ai pas compris, quoi. Ah, ok. Oh, mais il faut faire gaffe, parce qu'elles disent ça, mais c'est peut-être parce qu'elles ont peut-être autre chose. Bon, j'en dirais pas plus, non, je plaisante. je plaisante. Oh les amis! Oui! Attends. Je suis en liaison avec une personne qui est malvoyante, ou même aussi, elle est aveugle, qui se trouve sur un des sites. Et comme on se contacte assez souvent pour lui tenir compagnie, je lui avais dit que ce soir vous seriez là. Alors, vous tendez l'oreille, parce que là, lui, il est sur Skype, mais je pense que vous allez l'entendre. Nathan, tu dis bonsoir à Rémi et à Thierry. Vas-y, Nathan. Ah oui. Ok, je reprends. Ok, les bonnes 73-51 retournés à la Belgique. De la part de 14ODR-002, opérateur Rémi, QRZ local sur le sud-ouest, lundi 33. Retour Thierry. Ok, ouais, j'ai entendu. Ce soir de près à la station, voilà, impeccable, ouais. Ça passait bien, impeccable. Oui, le pauvre, ça lui tient compagnie, parce que tu sais, ça c'est encore, comment dirais-je,
ce contact. Et puis là, je lui avais dit, il m'avait demandé comment ça fonctionnait. Et alors, je lui ai dit, mais si tu veux écouter ce soir, alors là, j'en ai profité, puisqu'on était que tous les trois, ça n'a pas dérangé grand monde. Allez, retour à toi, Rémi. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème, hein, au contraire. Hein. C'est avec plaisir qu'on peut entendre d'autres OM. Hein. Tiens, en même temps, puisque je dis ça, Eric, Dolu 33, Claudie, et ainsi que les autres stations, si vous voulez rentrer, allez-y. Ludovic, les bonnes 73-51 à toi. Ok, 73-51 retourné. J'ai cru entendre qu'il y avait Michel avec une voix toute neuve. Ça fait plaisir de t'entendre en meilleure santé, j'ai l'impression. Voilà. Je crois qu'il y a Thierry aussi derrière, si j'ai bien compris. Voilà. Bon, j'avais le TX allumé parce que je bricolais un petit peu la laine de verre là, dans les pièces à côté. J'avais le TX allumé, donc j'ai pas trop profité, mais j'entendais vaguement. Et voilà, je viens d'arrêter de travailler. C'est le moment de prendre le micro et de faire un coucou. Donc voilà, voilà, les 73 à tous et j'espère que tout le monde va bien depuis hier. Voilà, retour à toi, Rémi. Ok, alors, qu'est-ce que tu nous fais là ce soir? Parce que hier soir, on était parti après à parler de matériel, ceci, cela. Et donc là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'attaques comme bidouille? C'est pas de la bidouille, c'est la bidouille, oui, parce que je suis en amateur. Non, je suis en train d'aménager deux pièces à l'étage. Voilà, j'ai une mezzanine. Et sur cette mezzanine, il y a deux pièces qui servaient de grenier jusque-là, donc qui étaient brutes, hein, béton par terre, et voilà. Et donc je suis en train d'aménager tout ça, donc bah, ça passe par l'isolation, ça passe par. On fait tout sur le plafond, quoi. Donc il y aura une petite salle de bain, puis une chambre d'ami, voilà, voilà. Donc c'est. Hier soir, je mettais les rails à placo, là j'ai mis un peu de laine de verre, puis bon, bah voilà, ça continue, ça dure encore pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Mais voilà, donc c'est pas de la bidouille qui vit malheureusement, voilà, c'est que du placo et de la laine de verre. Ah mais c'est toujours intéressant, hein, au contraire, hein. Les techniques de chacun sont bonnes à prendre, hein. T'as des astuces à donner? Alors oui, j'ai trouvé une astuce pour que ça coûte moins cher. Je suis en train d'isoler les murs, là, donc je vais mettre une dizaine de centimètres de laine de verre, et j'ai fait un comparatif des prix des rails, parce qu'il y a des rails de toutes les largeurs. T'as des rails qui font 45 de large, t'as des rails qui font 70, des rails qui font 100. Donc je me suis dit, bah, je veux mettre 10 cm de laine de verre, bah, c'est pas compliqué, j'achète des rails de 10 cm d'épaisseur. Et bien, ce qu'il y a, c'est que ça coûte un bras, ces fichus rails. Donc j'ai fait autrement, en fait, j'ai utilisé des rails de 45 que j'ai mis à 6 cm du mur, voilà, et derrière les rails, j'ai mis, 7 cm de laine de verre, enfin, un peu moins 6 parce qu'elle s'est un peu tassée du coup. J'ai 6 cm de laine de verre et des rails qui sont positionnés juste devant. Voilà, donc comme ça j'achète des rails moins épais, moins chers et j'ai le même niveau d'isolation. Voilà, et puis bon, bah, sur une hauteur de 2 mètres et quelques, c'est largement.